Ah, babe, non. Ça va, Elle parle de Wartek. C'est parce que t'as pas vu la vidéo. Non. Sa copine l'a demandé en marriage. Et dans la vidéo, il est en full react. Il est, oh, babe, what the fuck. Oh, babe. Babe. Oh, babe, babe. Babe, non. Oh, babe, what the fuck. Bienvenue Hugo, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Ça va bien, dit-il. Hein, je vous traduis évidemment tout ce qu'il y a pendant qu'il traduit sa bouche. De manger. Détruit les lasagnes sans repas. Ils ont parlé de l'attaque des Titans. Voilà, ils se sont fait plaisir au moins. Ils vont aller chercher des sujets qui intéressent la commu. Est-ce que quelqu'un a regardé? Absolument pas. L'attaque des Titans ou BFM? À ton avis, BFM. Bien joué. Pourquoi tu me regardes toi? Y'a un problème? FC se bat? FC se bagarre? Hugo est très très en forme. Ça, c'est des jeux signature ici. De Hugo, hein, vraiment. Ouais, ah ouais, il est bon sur ce genre ouais, de truc. Ouais, ouais. Mais en effet, il n'a pas lâché le bouton avant depuis le début. I'm fast as fuck, boy. Mais Xari, c'est hallucinant ce que j'ai découvert. Oh là. On rappelle ce que veut dire Dame Tukosita. Je veux ta petite chose. Ah ouais? C'est donne-moi, pas donne-moi ta petite chatte. Chose, c'est chose, mais après okay. Tu interprètes comme tu veux. Oh, c'est traduction, c'est interprétation. Eh, tu sais, désolé. Oh, quelle horreur. Bah, GG, hein. Je suis impressionné. Merci. Je dirais que tu m'aimes. Hugo, j'ai pris une bouboule à la fin, le seum. On parle de photos avec des stars. Ça vous est déjà arrivé de faire des photos avec des stars, je présume. Voilà, bah, tout à l'heure, quand j'ai fait une photo avec toi, je crois. Bah oui, par exemple, Genius lui fait des photos avec, avec la mascotte Milka. Ça régale. Le pire, c'est que c'est même pas une OP, il est juste en train de faire ses courses, ce connard. Il a dû négocier au moins 2-3 tablettes ensemble. Ouais, peut-être une tablette à la rigueur. Mais il me fume ce con-là, il a vraiment aucune limite. C'est pas possible. En plus, il l'a posté aussi sur Instagram. Genre, il est super fier de ça. Hein. Nico, à froid comme ça, t'avais déjà joué au jeu? T'as jamais joué? Non, j'ai jamais joué, je connaissais pas le jeu même dedans. Alors qu'Hugo a 25 heures de jeu déjà. Le joueur de Death Stranding en difficulté. Un autre truc qui fait que tu pourrais transformer n'importe quel objet en manette. Tu prends deux bananes, tu mets les capteurs. Mais non. Et là, bam, t'as tes manettes de VR. Ça te troll? Bah, c'est un brevet. Donc, ils sont certainement en train de taffer, se plancher sur une technologie pour pouvoir utiliser tout ça en vrai. Pour les OP, c'est bien. Les vidéos YouTube, les titres de YouTubeurs, ma queue me sert de joystick. Je joue à Ace Combat avec ma bite. Mais tous au même checkpoint, et c'est Hugo qui va tenter le boss. Bien joué, belle esquive ici, attention. Il a bien tiré les shuriken, il a compris qu'il y avait des cycles. Il attaque par derrière, peut-être en un seul cycle. Bien joué. Là on sent le joueur de Sekiro. Apparemment un présentateur du journal France 2 qui prend des risques au niveau des expressions. Perso, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Comme on dit, miam miam la gaufre. Non. Juste non, hein. Comme on dit. T'en as d'autres sur le compte, hein. Miam miam la galette. Miam miam la galette. Vu la vitesse à laquelle Hugo est allé, eh bien, n'arrive pas à récupérer le camion. Ah, le dernier saut. Il a quand même réussi à sauver ça. Ici aussi, ça passe. Quoi? Mais non, il était juste devant le goal. Voilà. À peu près les mêmes. Bah, tu peux pas avoir exactement. De toute façon, c'est pas des dés qui vont à Vegas pour jouer au craps. Hein, oui, ça va. C'est ça. Ce que je veux dire. Au craps, ça fait jeu de clébard. Tu viens, on va jouer au craps. Du coup, il a pas le time, comme on dit dans le mille. La vitesse. Il a une sacrée speed dans ce mec-là. Bien joué. Mais là, il est trop rapide. Il devrait prendre un peu plus son temps. Oh, ça passe. Attention, ça le repousse. Quoi? Oh, il est toujours en vie. Oh, la chatasse. Tout était calculé, le voilà. Et qui attaque le 2. Quelques news avant de passer aux vidéos, c'est parti. Hein? C'est tout de suite, c'est maintenant. Dis que tu veux le faire, je te file la main. C'est pas mon taf, j'étais volontaire tout à l'heure, là t'as senti un moment de glissement, il fallait intervenir tout de suite. Non, le récap est fait pour ça, on se régale. Hugo a du mal là, parce que cette dernière phase est vraiment très très rapide. C'est dommage parce que Hugo il échoue à ce niveau-là, ce niveau qui est le plus simple, j'ai l'impression. Quel chien. Tu peux. T'es sérieux? Oh gros! Oh non! Allez! Oh non! Oh oui, le speed! Oh non! Speed! Speed! Oh, il passe en dessous! Il s'est baissé, Oh, le niveau était clean! Allez, la suite. Par celui qui nous rejoint ici quasiment toutes les deux semaines maintenant, il est au fait des dernières nouveautés du jeu vidéo, comme d'habitude, c'est Hugo Daily. Ça aurait pu être n'importe qui du plateau.
bouton menu est trouvé. Maintenant, il faut trouver le menu enregistrement. Ouais. Bah, menu enregistrement, malheureusement, il a appuyé sur annuler au lieu de valider. Ah, le NTM est sorti. PlayStation 2. Bah, les joueurs français, ils ont pas trop changé leurs habitudes de jeu. On voit ici la tier list. Bon, par contre, ça, c'est la tier list la plus pétée. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? La merde. 3, 2, 1, let's go. C'est parti pour Highlights. Attends, j'ai disparu. Moi aussi. C'est terrible. What the fuck, vous êtes chaud. Non, mais l'autre, il est on a fait une seconde. Il est fini à la piste depuis 20 minutes et il se permet de nous chier dans les bottes. Comment vous avez planté Sondage. Silent Hill 2, c'est un jeu clivant. Tu demandes ça au chat, ils boivent de l'eau écarlate. T'as vu la tier list d'hier? De sauter, hein. Vous... Oh, il est passé, Hugo! Vous le passez vers le bas, puis vous passez vers le haut pour sauter. Mais non, mais il faut Ah, mais faut recommencer du coup. Oui, il faut recommencer. Oh là, c'est celui qui ira le plus loin. Hugo est passé, Hugo est passé. Là, il faut appuyer sur bas, puis haut. Oh là là, mais Hugo! En fait, avec le stick gauche. Oh, gosse. Oh, mais. Ah, c'est pas. Et le checkpoint, pas hein. 100% checkpoint. Hugo est ton premier checkpoint, c'est parti, non, dans toute la boule. Je comprends mais c'est pas trop stylé. C'est trop. Le parcours est excellent. Parce que franchement, je pensais qu'il serait dernier. C'est un peu comme les premiers elfes qui te parlent de Kaamelott. T'as pas vu Kaamelott, tu connais pas. Alors que Ico, c'est le truc tout le monde. Attends, laisse-moi finir. Jeu de hipster. Tu es présentateur. Tu es présentateur, tu débats. Oh, Hugo! Hugo, Hugo, regarde, t'as vu, c'est vraiment. T'as pas la allez, machette, Hugo, hein. Hugo! Boum, boum, t'y vas. Allez, c'est parti, tu peux le faire. Là, c'est très dur. Là, il faut sauter. Ouais. Sauter c'est juste après, et c'est surtout, c'est l'anneau. E-timing. Ça va. Ah non! C'est comme comment il s'appelle, là, celui qui a un gros tarin, là, qui s'est présenté. Comment il s'appelle? Who's that Pokémon? Il avait dit c'est la chancla, c'est la chancla à un moment. Ah, c'est la chancla. Oui. Chancla même de JVC. Qu'est-ce que tu balances ça? Tu sais même pas ce que tu racontes, trou du cul. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé. C'est juste que j'ai l'impression que ces gens-là, ils veulent absolument se poster le fion sur Twitch pour tenter le truc et se dire ah, il y a moyen de choper quelques voix dès qu'ils pourront voter ces trous du cul là. Vous connaissez Badlands Chugs ou pas? Non. This is Badlands Chugs. Ah, c'est un mec qui est énorme, c'est Kirby. En gros, son taf, c'est il fait des vidéos YouTube, mais il a une possibilité de boire, mais hallucinante. Et en gros, ses vidéos, c'est il prend toutes les Mountain Dew différentes ou tous les Coca différents. Et il s'les enfile d'un coup, à la fin, il fait ah. Et après, il lâche un roux qui dure 20 secondes. Et c'est que ça, ses vidéos. Voilà, Badlands. Ah. Regarde son intro. Débat. Il boit dans une botte. Voilà, il met tout. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est super chill. Oh la dingue, ce qu'il va mettre. And yo. Il a l'air tellement beau. Oh, le boss. Ne fais pas ça, s'il vous plaît. Oh, le titan. Attention, le A. J'espère qu'il le fait. Oh, mais ça se met. Attends. Mais ça fait couline. Wouh. Est-ce que tu peux mettre, Marie, Badlands Chugs the Ocean, s'il te plaît? C'est quoi? Il boit tout l'océan? Mais what? Let's get it. Enough talk. Oh non, oh, c'est dégueu. Mais non, il a la paille. Pas de montage. Il a la paille qui est purifilo ouais, là. Qui est philo, heureusement. Ouais. Oh la terre. Ouais, c'est juste ça. Badlands Chugs, le boss. La terre devient Mars. Par contre, le pauvre, il va mourir quoi. Ah bah, je pense qu'il est pas bien là, mais. Enfin, lui, il. Bah, au moins, il est hydraté là. Ah bah, là, oui, mais les autres vidéos, je crois qu'il est rempli de sucre le matin. Il a besoin de quelques Vogalens là après. Il est... Ça va, mec. En pleine possession de ses moyens, le mec. Il pisse, c'est avec ça qu'on fait les Verters originales. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, évidemment. J'espère que vous allez bien autour de ce plateau. On a la chance d'être avec Hugo aujourd'hui. Comment ça va? What is going on inside their head? Je vais répondre. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais genre. Ça va. Attends. Excuse-moi. Monsieur Délire. Non, mais on va pas refaire le même... on va pas refaire le même film à chaque question, mais Monsieur Délire. Mais ça va très bien. À côté de toi, Emma, tu es accompagné de celui que t'aimes depuis des années, Hugo Délire est avec nous et ça fait plaisir. Donc ça va, Hugo. Arrêtez. Je me disais, elle me plaît pas mal, la personne à ma droite, mais c'est normal. Je la connais. Hugo. Eh ben c'est moi. Eh ben on va commencer tout de suite avec une petite histoire, une rencontre heureuse. Hein. Parfois dans la maladie on peut trouver des choses qui sont agréables. Je me réveille, j'ai ça sur la joue et sur la main, c'est normal. Alors, je ne suis pas docteur personnellement, mais je ne pense pas que ce soit normal. On a une réponse d'un expert apparemment. Va d'urgence aux urgences, ça vaut mieux le mettre deux fois au cas où. T'as peut-être un staphylocoque. Elle répond, t'es grave musclé toi. Donc à mon avis, staphylocoque qui arrive très vite.
Et sans pression. Un staphylocoque peut en cacher un autre, hein, apparemment. Je vais donner un point juste à Emma qui a un point là-dessus. C'est la rencontre Étienne. Eh ben. Et bah alors les amis, la nuit Étienne. Va dormir sur le canapé. Hein. J'ai vu ce tweet et je me suis dit mais oui c'est vrai, c'est certainement la mère de quelqu'un. Et quand le fils ou la fille en question verra ça sur TikTok, je pense qu'il y aura quelques discussions. S'il te propose de faire du sale, la daronne. À quiconque appartient cette daronne, à mon avis, il va y avoir une discussion à table. Il y aura des petits regards entre le fromage et le dessert à table. Quelqu'un veut me faire du sale ici. Miam miam la galette. Miam miam la galette. Miam miam la galette. Miam miam la gaufre. La galette n'est pas tout jeune, mais Dieu sait que la gaufre est toujours là. Oh là là, allez, c'est parti. On continue, mesdames et messieurs. Hugo, si trois cadeaux à faire à la Saint-Valentin. Oh, du parfum, des vêtements et du vernis. Oh, cliché. Alors, elle a aucun des trois. C'est dommage qu'on n'ait pas vu la moue d'Emma. Chanel, peut-être. Là, je sais pas. Mais bon. Il a dit du vernis, quoi. Ah, du vernis. Le premier truc qui m'est venu. Le premier truc qui m'est venu. J'ai zéro point, vraiment. Moi non plus. T'inquiète. Je suis horrible. Non. Pousse-toi! Putain, mais si on est amis, il faut pas se foncer dedans! Mais oui, mais je pensais pas sur toi, je pensais sur le gars qui était devant! Il a le thème des réponses, tout simplement. Top! Menro. Qui est le plus vieux de le stream? Bonne réponse. Décathlon. Jules, il a travaillé où? Ouais, bonne réponse. L'argent. Max Hildan, il aime quoi? Risotto. Je peux pas citer moi. Il nous casse les couilles avec son trica, c'est qui? Mario Kart. Gigi était pro dessus. Pokémon. C'est quel jeu qu'Hugo il aime pas? Ah, ça passe. 20 cm. Elle mesure combien la table basse? Le matin. Quelle était la meilleure émission de le stream? Oui, Bidia. Il travaille où, Michou? Norman Genius. Oh, c'est qui le mec qui fait pas ses chroniques? Oh, alors, j'y vais. Très, elle très est belle. Très solide, Hugo. 16, 17, 18, 19, 20. Hugo est le nouveau champion du petit quiz. Ouais, j'aimerais bien lui mettre sur toute la colonne. Ma spéciale. Let's go. Allez, Hugo. Magna Malo. Bam, bam. Et bam. Oh là là, mais il a pas raté une seule fois, magnifique. Puis au bout de deux heures, en fait, ça s'est arrêté, il y a eu un all-in. Ferme-la, t'as vu ce encore que j'ai encore plus, encore plus, encore plus. Cette partie, j'avais 17 oh, c'est l'all-in. Oh, c'est l'all-in 2000 euros. C'est 2000 balles. Ou alors, quand quelqu'un arrivait à zéro de banque, et malheureusement, l'un qui était même en négatif, il finit à moins 20 euros, hein, c'est un palmarès, hein, ouais, si apparemment, d'après les calculs. Z-E-R-O pour lui. Z-E-R-O. Lui, je le mind game, je fais ça, machin, une merde, je le détruis. Et puis après, pour un peu niveler vers le bas les propos de Jiraya, si Thomas nous avait écouté, parce qu'en fait, il y avait une règle aussi, c'est-à-dire que dès que quelqu'un avait moins de 3 cartes, on était tous en train de le focus. Il y avait focus, un focus, ouais. Il prenait tout dans le petit directement. Normal. Et Gigi était à ça de gagner. Dit à Thomas, surtout ne passe pas le tour avec ta carte passe-tour, sinon il a gagné. Oui, j'ai en plus Ok, go vert. Mais t'es non, con, mais non, t'es con. Mais non, mais quoi non. Oh, mais putain, on répondait pas. Non, non, pas sur un 6. Et il l'a fait quand même. Et du coup, c'est à cause de lui qu'on a perdu. Enfin, tu as promis la moitié. Non, par contre, on les plumes, hein, ces bâtards, ils sont millionnaires. Jamais de la vie. Mais pour une première, c'était franchement trop cool. Mais en vrai, oui, c'était drôle. Vachement sympa à faire. Attends, on pourrait faire un visage. C'est toi. En effet, on a été plusieurs à décider des. Attends. Des jeux, qu'est-ce que vous voulez faire? Attends, Hugo. Attends. Ah, les gars. Ah, une drôle de chimère. Non mais Norman, t'as rien compris, Norman. Oui, il dégoûte juste. Il est horrible. C'est la chimère. Ce bon Hugo, comment il va? Qu'est-ce qu'il a de nouveau depuis hier? Rien de spécial. Moins ballonné, je ne dirais pas ça exactement. Dans mon plan de vie, si tu veux, hier, Max, mon ventre, c'était un ballon d'eau chaude bien rempli. Et je pensais pouvoir me libérer les sphincters, comme disent les Américains. Et au final, il ne s'est rien passé depuis hier. Depuis hier, t'as nos chiasses? J'ai rien du tout. T'es toujours en quinu crottin? Il est comme ça depuis 24 heures. Donc là, je suis en mode Sasuke, ouais. Il y a peut-être une boule. Combien de personnes, le ballon d'eau chaude, là? Bon, on est sur... Une famille. Ça va. Un regroupement pour les sans-abri qui veulent manger, quoi. C'est, voilà, oui, d'accord. Monde, hein. C'est que pas dégueu, là. Pas dégueu, ma gueule. Qui a eu le 5, là, encore? Hugo. Ah, oui. Non, mais sérieusement. Quoi, il a fait quoi? Le même film que l'autre fois. Oh, putain. Tour, il est marqué. Non, mais frère. T'es qu'à péter. T'es vomi dessus. Non. Il s'est chié dessus. Ah, t'as pété sa mort? Ah, mais gros. Ah, oui. Ah, mais vous entendez rien. Jiraya, heureusement qu'il y a le... Oh là 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 là, sa mère, la cute. Oh la vache, la
Oh là là, mais c'est quoi, c'est un trou de balle ou une rivière que t'as, mon frère? Oh, l'écoulement, c'est l'ouverture de la truite, là. Oh, vache. SNCF, donc, attends, les mecs dans les, avec le micro, ils font des dingueries des fois. Ah, franchement, ils pourraient être animateurs. Hein. Tu sens que les mecs, ils sont chauds, ils te sortent des punchlines. Ouais, mais au moins, mais estime-toi heureuse qu'ils te mettent pas Mika, là, je chante. Avec la pub de SNCF, là. C'est vrai que Mika. Je chante le soir et matin. Ta gueule. En vrai, Mika, c'était trop bien, mec. Ouais, mais pas ça. I could be blue, I could be blue. Puisque lundi, il a fait sa petite chronique et ça a inspiré Rob Defretas, qui évidemment a fait la petite boîte de médicaments, le Maxildan. Bon, on en vendra plus que les t-shirts le stream, je pense, en tout cas. C'est probable, effectivement. Quel enculé. Allez, Sunday, quelques tweets. On devrait se faire un blind test en je temps. Je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Oui, mais quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. C'est vrai. Bien joué, bien joué. Mais ouais, fabuleux. Voilà, bah écoute. Un jour que j'aille tester un restaurant spécialisé cuisine moléculaire. Je crois qu'il y a un restaurant spécialisé. C'est... de m'avoir trop baisé. C'est ça. En plus, je me rappelle la chanson, j'ai écouté à ma grande. Il y a un nouveau trailer pour Nier Replicant qui est sorti. Alors, c'est un trailer en japonais. Si vous bandez, ce jeu est fait pour vous. Nier Replicant sortira le 23 avril. Il restait 5 secondes du trailer, on peut peut-être les mater. I could be blue. Moi, je comprends pas. C'est certain. Parce que moi, je transpire quasiment jamais. En été, même quand il fait super chaud, je pègue juste un peu, mais je transpire pas. Oh, il pègue. Je pègue un peu, là. Par contre, les yep, c'est le Grana Padano. Hein. Il y a l'étiquette AOP sur le yep. Donc, À la découpe, près de chez vous. Tu peux m'en trouver chez Delarté. Des petites saveurs, là. Ça se prend une pizza avec au délire, même. Deux yep dedans. Tu remarques ton nom juste en bas de ta tête. Ça fait plaisir. On félicite Hugo, évidemment, qui remporte le Slim Challenge. Bien, come on, we find out. This is the end, we come on, we find out. This is the end.